Salut à tous, la semaine dernière vous nous avez vu à Latte pour essayer de retrouver le chargeur qui avait fait tomber un gendarme dans l'eau. Et bien aujourd'hui on est de retour pour essayer de retrouver ce même chargeur. On va voir si on a plus de chance. Il y a Alex qui est venu nous aider. En tout cas, belle journée. Il fait chaud mais on est à l'ombre, alors nickel. Ah bah voilà, il n'y a pas que les chargeurs qui les connaissent. Génial. Oh la taille. Oh laisse tomber. C'est petit. C'est vraiment minuscule. Oh putain. Ouais. Oh, un vélo. Bah tiens. Un vélo, bah dis donc. C'est mon vélo. Ça a été bien dans la vase. Ok, bon bah ça commence, premier vélo. En 5 minutes. Oh. Oh. Marvel. Filme. Non, le dos courbé, c'est pas bon. Filme. Voilà, allez. Oh. Ça c'est quoi? C'est une spatule. N'Golo Kanté. Elle est pleine? Non. T'as comment reconnu, il s'appelle? N'Golo. T'as reconnu N'Golo Kanté? Eh oui. Alors moi ce qui m'intéresse c'est la spatule, pas N'Golo Kanté. Ça c'est pour faire cuire les gnocchis. Ben oui. Ce soir tu nous fais les gnocchis. Rasta, regarde ce qu'il a, Baptiste, il va te faire à manger. Attention. Ça oui, glisse, non. ça glisse. En fait j'ai l'impression que genre ça va de là à là. Avec deux aimants. Ouais, souvent ils se collent entre eux donc c'est contre-productif. Ah le guidon. Donc il y a du vélo. Envoyez un aimant. C'est bon, on va l'attraper. Oh, c'est salut, c'est... Oh le beau couteau. À la gueule. Ah. Ok, on comprend mieux. C'est pas un, c'est pas un vélo. Ah. Ah, il est un peu dégueulasse. Tu fais galère, c'est bien là-bas. Ouais, ça c'est galère, c'est le pire ça. Ah oui. Un bout d'échafaudage. Un bout d'échafaudage. Ouais. Là, je crois que j'ai eu quelque chose. Ouais. Ah, un morceau de chaise. Ah, c'est sûr, faut partir avec quoi. C'est pas une arme. Hein, c'est pas une arme. Petit ciseau. Pour les angles des pieds de Quentin, ça encore. Cassé. Mais comment tu fais pour mettre des tongs? Moi, les menottes. C'est des menottes. Et j'ai pas des fausses. Hein. Que le poignet ou les deux? Il y en a qu'une dans du scotch. Et c'est pas des fausses. Hein. Ah, il y en a qu'une, ouais. Bah, je pèse. Ah oui, c'est une vraie. Ah, c'est une belle. Hein. Il doit y avoir un marquage hein, si c'est un truc officiel. Il y avait du scotch autour, c'est bizarre. Hein. Bon, mais ça date pas de la même époque parce que c'est ça, sympa, c'est clairement plus vieux. Oui. Ça a pris des coups de biscuit, on dirait ça. C'est dingue, tu crois que c'est un mec qui s'est échappé carrément? Ce serait énorme. Attends, peut-être qu'il y a le mec de l'autre côté avec l'autre. C'est un mec qui s'est échappé qui a coupé les menottes. Là, il y a un marquage, non? Je sais pas. Si, il y a un marquage en tout cas. Ouais, c'est des vrais. Hein. Ah oui, c'est des vrais, t'as le point. Ouais. Putain, non. Bien joué. t'as un mec qui s'est évadé, qui a jeté les menottes. Rasta, viens, on va te mettre en prison. Bien, encore. Ah, franchement, ouais. Attends, je les mets au jour un peu. Wow. Abusé. C'est du costaud, hein. Ah ouais, ça, c'est pas des jouets. Ouais. C'est... Alex, c'est vrai que tu sais faire de la technique où tu te tords le poignet et tu te démets le poignet pour sortir. T'as vu mes mains, t'as vu. D'accord, la taille de mes mains. Mon poignet ça passe, mon poignet passe, mais ouais, passe pas. Ça doit faire super mal en vrai hein, quand tu vois comment c'est dur. Ouais, elles sont bien serrées quand même. Hein. Ah ouais. Hop. Et voilà l'arrestation. L'arrestation prison, du trafiquant international de croquettes. Il fallait que ça te tombe dessus, Rasta, c'était sûr. Bon, on va demander. Arrêtez vos bêtises là, déjà j'ai plein de vin sur le museau. Ah non, c'est ma pote. Ça, c'est une médaille alors. Il y a des bons trucs de ce côté-là. Ah, ouais. Elle est cuivrée. Oh pardon. Ça a failli être moi. Oh merde. Eh ben bravo. J'espère qu'il est pas cassé en deux. Oh non. Voilà. C'est costaud. Trousseau de paix. Il est bloqué sur le bord à plat. Je sais pas s'il est à plat ou s'il est en dessous. Ah, laisse tomber, je vais tirer de l'autre côté. Oh, on te l'envoie là. Attention la tête. Ah, j'avais presque. C'est pas loin. Hein. Ah merde. Après, il y en a qui sont plus ou moins doués au lasso aussi. Hein. Prêt? Ouais, c'est là, mec. Allez, vas-y, je suis pas mal à l'écouter.
Oh. Ah, voilà. Nice. Merci. Quand bloqué dans un sorte de tuyau en acier, on a bloqué deux aimants. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de me mettre contre la paroi, pied contre le mur, et tirer. C'est chiant. Hein. Il y a un endroit qui casse les bonbons, je passe dedans. Oh, mais c'est un gros trou quand même. Ah ouais? Ouais. Ah, ça y est. Bien joué. Il y a un truc en plus. Ouais. Ah, c'est pas mal tout à l'heure, c'est le même truc que tout à l'heure, c'est le boule drague. Ouais, ah, franchement, elle est super bonne, c'est vraiment un régal. Merci. Vous voulez aller de l'autre côté du coup? On vient de se décaler. Waouh. Viens, s'il te plaît. Super lourd parce qu'il y a de l'eau dedans, ah, faut merde, que tu descendes. Attends, faut que j'envoie mon aimant. Faut que tu descendes, ouais, l'aimant, ça peut être bien sur l'autre pied. C'est pas une table de réseau avec du tissu comme ça, non? C'est étonnant. C'est super lourd avec l'eau. Non, ça sort l'autre. Ah mais non, mais c'est parce que c'est du plastique, c'est aimanté que sur les vis. Ouais. Je chope ton aimant par l'autre côté. Ah ouais. Putain. Voilà. Oh non. Sur la barrière. Bon, au moins là. C'est pas une table. Ah, c'est pour s'asseoir. Genre de fou. Ouais. Je vais l'emmener direct ailleurs. Ouais. Bien joué en tout cas, belle trouvaille. Là, je suis au niveau de l'échelle où la personne qui est tombée à l'eau serait remontée. Donc, on va regarder, on va jeter les mains. Donc là, il a pu le faire tomber juste ici, lors de la remontée. Que c'est comme tout à l'heure. Baptiste! J'ai le petit frère. Ah, celui-là, il s'est pas mis droit, c'était plus simple. On va essayer de pas s'accrocher au poteau cette fois. Ah. Ça pour le jardin, ça doit être confort. Hein. Juste qu'ils sont un peu sales quoi. Qu'est-ce que c'est? Il y a un menu. Hop. Entrée, plat, dessert. Eh, hey, tartare au bœuf cru, pas mal là. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau vélo là? Eh oui. Ah, il est entier celui-là. Ah, cool. Cool n'importe quoi. Ouais, bah ça fait quelques mois qu'ils doivent y être quand même. Les rayons ils ont plus cher, c'est pas de la grosse qualité. Ah, petite scie Manusson faite par Alex. Elle doit être encore utilisable, mais elle a pris cher quand même. Si elle taille quand même. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui nous sort de beau encore? Le chargeur? Bizarrement, non. Est-ce que ce serait pas un chargeur? Ah, mais si! Ah non. De pêche. What the fuck? Oh, c'est grand. C'est une passerelle, non? C'est pas une passerelle? Ouais, ou je sais pas. T'es sûr que ça rentre dans la voiture? J'ai un boulard de pêche aussi. Oh la galère! Tiens. Regarde. Ouais. Putain, des leurres, je suis sur la zone. Oh, t'as pas un vélo. T'as pas un sol. Original. Et du coup, à force de faire des trucs qui sont pas des vélos, on galère pour les 6. Ah voilà, t'as un pied de parasol, t'as moquette, t'as trouvé le barbecue maintenant. Ouais, voilà, franchement, c'est ouf, ouais, par contre. Il y a de tout. On met en pause la mission chargeur de gendarme pour passer à la mission parasol. Donc voilà, il y a un parasol qui est tombé du premier étage de ce balcon, directement dans l'eau, donc quand il y a eu un coup de vent. On va essayer de le choper. Parasol, c'est pas très facile, il serait surtout aimanté par les vis et par les petites tiges qui ressemblent à des fils des tendoirs. Voyons ce qu'on trouve avec les membres Brian de chez Maison de la Détection. Ah. Oh! Et la 7ème compagnie. Superbe. C'est la 7ème compagnie. Ouais. Elle est belle. Elle est en bon état. Hein. Ouais. Ouais.
Mais sympa. Elle est énorme. Par contre. C'est de la marque. C'est du combien? 30. T'as trouvé le parasol? C'est vrai? Victoire? Victoire de Alex. Est-ce que... Ah bah oui, oui, oui. Ah oui, ça doit être lui, oui. Bien joué. Enfin, on a trouvé quelque chose qu'on cherchait. Plus simple que le chargeur. Hein. Ouais. Bah voilà. Attends, attends, fais gaffe, faut pas le casser, ouais. Et du coup, ouais, ça va, on a eu de la chance, c'était aimantable même ici. On va le laver, c'est pas bien. Ouais. Bien joué! Capo Alex! Ouais. Maintenant. El pescador des parasols. Mm. Bon, il y a la grille. Ah. La cage du chat. Ah oui, c'est vrai. Peut-être qu'il y a le chat. Bat. Il y a la grille de la cage du chat. Ça, c'est original, ça. Celle-là. Ouais. Ah non. Oh, oh, bien joué! C'est une jiggle. Ouais. Pas l'air très folle. Jaloux. Non, c'est bien une montre. J'ai des fils de pêche. Ouais. Bon, on fait la claquer net. Attends, attends, oh putain, t'as vu là. Attends. Ouais, j'en ai préparé tout à l'heure aussi gros. Parce que vous, ça se rapproche, hein, ouais. Pour quelques du fil, c'est trop léger. Et ça peut battre le poisson vu qu'on a la hameçon. Le machin. Ah oui, ça, je veux. Énorme. Ah, peut-être que le moulinet, hein. Ouais, le moulinet, peut-être. Ah, si, si, il y a quelque chose au bout. Ah. Ouais. Mais ouais. C'est vrai qu'il y a bien quelque chose. Une moule de rivière. Attends, mais c'est pas fini, il y a encore. Attends, mais ça, c'est le plomb, ça. C'est du clochette, ça. C'est le plomb. C'est quoi, ça? Il est trop stylé. J'avoue. Comme ça. Il est stylé, ce plomb. Bah, il est vide. C'est neuf, il y a tout qui est neuf. Ah oui, sympa. Non? Ouais. Elles ont la sécurité là, ah ouais, ouais. Ah bah, purée. Sympa, hein. Tes ongles des pieds, ça s'est arrangé ou il faut encore qu'on. C'est quoi? C'est quand même en plan. Alors là, j'ai besoin d'aide. Attends, je vais partir de l'autre côté. J'ai une brouette. Mais tu vas dedans, non, toi? Putain, mais oui! Tu vas dedans, ouais. Tu veux que je te tienne ça? Ah! Ah! Oui, moi j'ai mis le pied dessus parce que. Et voilà, tu n'auras plus de descendance. Oui, c'est bon. La descendance est déjà assurée, tu peux escalader les barrières. C'est pour ça que je passe pas derrière moi. Ouais, je l'ai chopé par là. Ah, allez, rappe à la 4 dents, laisse tomber. Ouais, il y a à boire et à manger. Ouais, t'arrives à la choper, Quentin? Attends, fais gaffe côté Alex que ça lâche pas. Ça va bien. Attends. Si elle lâche, faut que je lâche en bas. Ça y va l'attraper aussi. La brouillouillette. Voilà. On est bon. Elle est trouée. Il y a un moment qu'elle est là. Elle date déjà du chantier, je pense. Hein, on de... pourra la remplir. De quand ils ont construit les bâtiments. Ça va nous servir. Bon, j'ai un film qui tire. Oh putain, qu'est-ce qu'elle dope là. Elle est crevée. Impeccable. Il est un peu sale, mais il fonctionne. On aura trouvé le chat quand même. Ouais, on va le trouver, t'inquiète. On va trouver. Merci. Hein. Ouais, bah pas de quoi. Faudra le nettoyer, mais bon. Ouais. Ah, pour la laver. Alors, attends. On a pêché un pied de parasol si vous voulez aussi là-bas. Pour le tenir. Oui, j'ai vu. Hein, je crois qu'elle en a. En elle en a, c'est ouais. Parasol qui a basculé. Le pied, il est tombé aussi, non? Je crois pas. Hein. Avec le parasol là. Après, bon, on a fait une brouette. Ouais, oui. Il y a vraiment des trucs. Oui, il y a de tout ici. Voilà. Comment il est? Bah, il est sale, hein. Il est sale, mais il fonctionne. Ah, ouais, je suis sûr. Ça m'évite quand même de ouais, d'en racheter. D'en racheter. Ouais.
Ah, faut le laver. Il était rouge rouge ou orange, enfin comme ça là. Ouais, un peu rose. Ah ouais, bah super. Comment vous avez pu faire? Bah il a eu de la chance que non, ça va, ça a accroché un petit peu à l'intérieur. Ah ouais. Merci. Non, mais pas trop. Non. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça fera plus plaisir. Si. Abonnez-vous à la chaîne. On a déjà refusé pour des bijoux, alors on prendra pour réparation. Ah bah si. Non. Ça m'évite. Abonnez-vous à notre chaîne. C'est personne. Il n'y a pas de chef. Bah oui, il fait la chef. Ah oui, il y a le chef. Eh oui, c'est lui le chef. Non, mais il n'y a pas de problème. Ouais. Un coup sous la douche, hein. Ouais, faudrait le rincer là. Ouais. Non, franchement. Bah, pourquoi je partage pas avec toi? Ça, c'est mort. Ah mince. Eh ouais, on était un peu là avant, mais bon, on va se décaler, d'accord. La pêche aussi, si j'ai envie de dire, mais on va se décaler, vous inquiétez pas. Il y a pas de souci, je viens, je vous ai dit. C'est autorisé. C'est autorisé. On vient de voir le monsieur du port, mais on va se décaler, c'est pas un problème. Alors on va rester là alors. Je lui dis qu'on part, il continue. Vous voulez quoi, monsieur? D'accord, alors je vous dis qu'on part, vous pouvez nous dire, eh bien merci. Merci, merci. Voilà, parce que arrêter votre cirque alors qu'on est d'accord, c'est pas très sympa. Non, mais bon. Voilà. Non, mais moi je me lève pas. Normalement, faut qu'il comprenne que je lui dis oui. C'est quand même dingue, je conçois qu'on puisse gêner les pêcheurs avec les aimants, enfin je veux dire voilà, ça fait des poules, ça va faire fuir les poissons. Mais ils étaient pas du tout là, il vient, il dit pas bonjour, il dit vous arrêtez avec vos aimants, et après il fait quoi? Il me dit je sais pas, c'est quoi ces clowns et tout, au lieu de me dire merci, parce que pas un moment je lui ai dit c'est à vous de partir. Je lui ai dit bon, on était là avant, ensuite il m'explique que son collègue est malade ou doit rester à l'ombre, bah je comprends aussi. Je lui dis d'accord, on va bouger, et là, au lieu de dire merci, il me dit arrêtez votre cirque. Putain, et le mec t'as envie de le secouer quoi, mais voilà. Franchement, belle sortie. Et merci à la ville de Latte, on a été très bien accueillis. On a eu droit à une petite photo dans le groupe Facebook de la ville. C'est clair, et même la femme tenait vraiment à nous donner 20 euros pour le parasol. C'est clair, on a refusé plein de fois, et elle les a donné quand même. Elle les a même posés dans la brouette. Ouais. Donc voilà, on n'avait pas grand choix, on va aller les boire. Bon, on va boire des sodas, ouais. Bien sûr. On reviendra ici en tout cas, ouais, merci. Merci au groupe, et merci à Elian. Ce serait un plaisir de refaire ça d'ailleurs pour une petite journée des pollutions. Bah, c'est clair, il en reste beaucoup ici, mais on n'a plus de place dans le camion, donc on est obligé de rentrer. Ah bah non, bah là, faut pas charger la mule.